Oui, salut, salut à tous, hein. J'espère que vous allez tous bien, voilà, dans le confinement, ou alors ceux qui bossent ou ceux qui travaillent actuellement, voilà, pour qu'on a de la nourriture, qu'on a pour les infirmiers, pour les infirmières, pour les docteurs, pour tout ce qui travaille, pour les camionneurs, pour tout, on a besoin. Merci à ceux qui travaillent et merci. Voilà, on remercie 100%, on n'oublie pas également les facteurs, les boulangers, les boussiers, voilà. Donc, on est vraiment dans le confinement actuellement. Espérons qu'on ne va pas rester trop longtemps dans le confinement, parce qu'à mon avis, on commence à avoir un petit peu. Bon, c'est pour la santé, en tout, mais pour me. Voilà. Je fais des vidéos pour distraire un petit peu le monde. Voilà, c'est uniquement pour divertir. Voilà, on essaie de. Voilà, je sais que la vie est si triste actuellement, il y a beaucoup de morts. Malheureusement, c'est. Je trouve que c'est affreux. Voilà, c'est une maladie qui est vraiment. Le coronavirus, là, que. C'est vraiment une maladie affreuse. Vraiment. On ne souhaite pas, ouais, on ne souhaite pas, et bon courage aux infirmières et aux infirmiers, aux docteurs qui les soignent, les personnes, parce que il faut vraiment du temps, et aussi on n'oublie pas les hôtesses de caisse et les hôtes de caisse, voilà, que voilà, sans eux, voilà, on ne pourrait pas se nourrir dans les hypermarchés, supermarchés ou dans les mêmes petits magasins. Donc on est là, voilà, donc on est là confiné dans la maison et on est content de trouver une boutique ouverte la semaine. Donc c'est un peu normal que c'est fermé le dimanche. Je trouve que c'est normal parce qu'ils ont quand même du mérite. On n'oublie pas ceux qui bossent. Hein, voilà. Je souhaiterais bien travailler, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc les trains sont supprimés. Je ne peux pas y bosser. C'est ça le problème. Donc j'aurais bien aidé. Mais voilà, je reste confiné pour ne pas être malade, c'est ça le problème. Donc on va un petit peu rien. Voilà, vous savez que Jean-Baptiste Guégan, c'est la voix sosie de vocale, sosie vocale de Johnny Hallyday. Il y a un petit jeune qui a la voix de Claude François, et moi je vais essayer de imiter Claude François. Voilà, viens à la maison, le printemps qui sente. Voilà. Voilà, c'est une superbe chanson de l'année 1973, au début des années 72 ou 73. On y va. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un papillon, une fleur? Descends. Si tu as quelques saisins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Sors du ciel, viens vers la terre, vers le soleil et les rivières. Viens vers la maison, viens le printemps. Viens vers la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont ton flair, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en plaire, ne reste pas dans la ville. Viens vers la maison, il y a le printemps qui chante. Viens vers la maison. Les oiseaux t'attendent près des grands temples et dans les chemins creux, on ira tous les deux oublier ce rêve facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin des âmes. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, tu vas renaître. Ouais, viens vers la maison, il y a le printemps qui chante. Viens vers la maison, tous les oiseaux.
flingue, ils berceront ton cœur. Toi qui sois en pleurs, ne reste pas dans la ville, viens à la maison, y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des écrans semblent, et dans les fenêtres, on ira tous les deux, oublier serait facile. Reste à la maison, hein. Ça vaut mieux, hein. Reste à la maison, où tous les oiseaux t'attendent. Bon, c'est une petite page. J'imite pas trop bien Claude François, mais on est là pour rigoler, hein.